va vous présenter notre tâche de notre projet Walter. Donc la tâche était de mesurer le pourcentage de la batterie et... Donc moi je vais vous expliquer d'abord ma partie, ensuite on passe à l'imagerie. Donc pour ma partie, moi je vais trouver le pourcentage de la batterie et informer l'utilisateur du pourcentage de batterie. Donc pour ça, j'ai utilisé un capteur de tension dans la batterie, qui comme ça je pouvais déduire le pourcentage. D'abord j'ai créé un IBD et un IBD pour mieux comprendre les informations et tout mettre dans le bon ordre. J'ai fait un view pour modéliser les calculs que je devais faire. J'ai fait un programme en MicroPython pour envoyer le pourcentage à l'application. Ensuite, on a câblé avec la batterie, la keyboard et le module Bluetooth pour permettre d'envoyer les informations à l'application. Pour ma part, c'était installer un capteur ultrasons en haut de la cuve. Ensuite calculer le volume instant, ensuite envoyer ce résultat à la carte de MicroPython qui enverra via le module plus à l'application de l'opérateur. Pour ça, j'ai procédé aussi à un BDD et IBD pour voir quel ordre fonctionne. J'ai fait un modèle de view aussi pour simuler le calcul du volume. Ensuite, ce modèle de view, je l'ai retranscrit en programme MicroPython. Ensuite, je l'ai câblé avec le capteur ultrasons, la carte keyboard et le module Bluetooth. Moi, je me suis occupé de faire l'application. Donc, je vais vous présenter comment j'ai fait les étapes de l'application. En premier temps, j'ai écrit le programme qu'on voulait. Donc, je vais vous afficher pour afficher le niveau de batterie, recevoir la batterie. Après, du coup, j'ai fait mon programme sur l'application Apple. Après, j'ai dû programmer la keyboard en MicroPython. Et après, j'ai dû relier ma keyboard avec mon application pour qu'elle soit liée entre elles quand la keyboard a l'énergie, envole la tension. Elle me l'envoie directement à mon application pour retranscrire la batterie. Et après, du coup, je me suis occupé du design de l'application pour qu'elle soit pratique et belle. J'ai fait le programme pour mesurer le volume restant dans la cuve. Comme vous pouvez le voir, là le capteur ultrasons il mesure la distance qu'il y a de là jusqu'à la table. Et donc ça affiche des valeurs en constante parce que j'avais envie de faire qu'on continue. Et donc ça affiche aussi le volume de litre restant. Là c'est 10. Et quand j'augmente la distance en fait, c'est-à-dire que le réservoir se vide. Et que donc, là ça passe à 9, donc ça veut dire que ça rétrécit. Donc là ça passe à 8, bon il y a des petits erreurs parce que le branchement il est un peu fait vite, mais sinon c'est quoi